Ok, donc nous sommes ici à Madrid pour participer au forum Sahel-Afrique qui tient sa deuxième édition. Je pense que c'est une très très bonne initiative et pour laquelle on tient non seulement à remercier l'Université Victoria et en plus de cela aussi les autorités espagnoles. On pense que ce dialogue entre le Sahel et l'Europe est très nécessaire parce qu'aujourd'hui le Sahel c'est pratiquement la frontière sud de l'Europe. Et aujourd'hui, ces deux espaces-là doivent avoir un dialogue politique permanent parce qu'aujourd'hui, la plupart des fléaux, en tout cas, qui touchent les Sahel, touchent aussi l'Europe. Et ceux qui touchent l'Europe aussi touchent les Sahel, notamment toutes les questions liées à la migration, au terrorisme et à beaucoup, beaucoup d'autres choses. Ce sont des questions que nous avons discutées lors de ce forum ici à Madrid. Ça permet aussi à des décideurs, à des chercheurs, à des acteurs de la société civile, à des notabilités de se retrouver ici à Madrid pendant 2 jours pour échanger, pour réfléchir par rapport à toutes ces problématiques-là aujourd'hui que le Sahel connaît. Et on pense que vraiment c'est une très très bonne initiative. Nous tenons à féliciter les autorités et l'université aussi. Et bien évidemment aussi l'initiatrice du forum, la Béatrice. On pense que c'est quelque chose qui doit continuer, qui doit impliquer beaucoup plus de monde pour que le Sahel et l'Europe puissent continuer ce dialogue-là. Parce qu'aujourd'hui, les problématiques que nous vivons au Sahel sont aussi celles de l'Europe et celles de sa frontière sud. Et on pense que ce dialogue-là doit continuer. C'est